Le plus grand concert religieux d'Afrique, The Experience, a eu lieu à Lagos au Nigeria après une interruption de 2 ans. La 17e édition du concert a présenté un éventail d'artistes autochtones et internationaux primés tels que Travis Green, Sinach, Phil Thompson et bien d'autres. Pour ces artistes, des spectacles comme celui-ci contribuent à promouvoir l'intégration entre les artistes internationaux et ceux du Nigeria, qui ont un poids socioculturel en Afrique. Regardez les opportunités données aux musiciens et artistes locaux de collaborer et de rencontrer des artistes internationaux. C'est déjà une grande avancée et nous en sommes ravis. La co-organisatrice de l'expérience et pasteur principal de la House on the Rock, Ifeanyi Adefarazine, affirme que le concert contribue également à promouvoir la paix dans le pays, en réunissant des personnes de différentes confessions. L'expérience n'a pas seulement de la valeur dans le christianisme, mais aussi dans d'autres confessions. Nous avons des hindous, nous avons des musulmans qui viennent et qui témoignent et qui disent qu'ils ont été émus par les artistes. Donc c'est juste un outil puissant pour unifier les gens dans le culte. L'industrie musicale nigériane contribue de manière significative à la vague croissante de musique et de culture noire qui se répandent dans le monde entier. Les concerts internationaux comme The Experience offrent des opportunités à d'autres secteurs de l'industrie créative nigériane qui travaillent dans les coulisses. Vous apprenez la culture de la personne et celle-ci apprend la vôtre. Cela seul est établi. Plus on collabore, plus on apprend la culture, les valeurs et les croyances de chacun. Je pense que c'est fascinant quand vous savez que d'un côté vous avez des gens qui disent qu'ils sont obéissants et d'un autre ceux qui disent qu'ils sont autre chose. Et parfois cela se dessine sur des lignes tribales et des lignes de nos différences. The Experience est une scène où vous nous voyez tous, aussi différents que nous soyons, nous rassembler pour ne faire qu'un seul son. Et je pense que c'est un grand modèle pour nous en tant que nation de ce que nous devrions être et de ce que nous allons être. The Experience a rassemblé des milliers de fidèles au Tafawa Balewa Square Lagos pour la première fois depuis 2019 dans une nuit de louanges et d'adoration palpitante.